happy death, oh happy death. When Jesus washed, when Jesus washed. Oh when he washed, oh when he washed. When Jesus washed, when Jesus washed. He washed my sins away. Oh happy death, oh happy death. Oh happy death. Tu me lâches la grappe, mon gars. Moi, je viens pas te réveiller chez toi, moi. Oh, maman, ça désile.
votre devoir. Je suis plus à l'école. Mais si, vous voulez la fessée? Oh oui. Entendre vos requêtes, vos litanies qui existent depuis que le monde est monde, laissez-moi vous dire un mot qui fera taire les vôtres. Vous faites à votre roi beaucoup de peine. Oui, beaucoup. Et le roi n'aime pas le chagrin. Non, ça me déprime. Vous êtes si pauvre et la pauvreté est un si grand fléau qu'il serait temps de faire quelque chose. Devenir riche? C'est vrai que vous n'avez pas assez de toujours là à quémander. C'est lassant à force. Nous avons décidé, moi et le roi, que la pauvreté serait dorénavant considérée comme illégale, et que quiconque serait surpris en flagrant délit de pauvreté serait irrémédiable. Irrémédiable. Quiconque serait surpris en flagrant délit de pauvreté serait banni du royaume. Donc, inutile pour vous de geindre, de gémir, toute action de ce type sera considérée comme un délit passible d'exil. Autrement dit, souffrant en silence. C'est vrai, quoi, il y en a marre à la fin. Nous sommes humains. Cette fois, prendra effet après la grande fête nationale qui aura lieu demain. Vous avez donc 3 jours pour plier bagages. Et vu les maigres bagages que vous possédez, ces 3 jours sont amplement suffisants. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Un pauvre qui demande ce qu'il va devenir. Un pauvre, ça ne devient pas sa demeure. Fidèle sujet. Apprenez que j'aurais beaucoup de peine à me séparer de vous. C'est comme si je perdais mon chien. Je crois que je vais m'ennuyer sans vous. Vous vous ennuyez déjà. Qui a osé? Voyez, ils ne savent pas se tenir, ils s'insultent et se plaignent. Sale pauvre. Votre héritier... Allons, attendez, j'ai vu quelqu'un égorger une omelette. Méfiez-vous, méfiez-vous qu'on ne prenne pas vos têtes pour des œufs et qu'on les brise comme des copains. Garde, je vous prie de faire sortir ces déchets. Moi qui m'étais lavé ce matin. Mon appel. Mais là que je vous embrasse. Il y a quelque chose dans le royaume des grands marques. À vivre dans la pauvreté, on finit par en faire son parfum.